Minecraft a détecté une entité inconnue dans ce mode. Il est recommandé de ne pas rejoindre. Ignorer cet avertissement peut engendrer des phénomènes et ou rencontres étranges. Souvenez-vous, ne regardez pas les bugs dans les yeux. Ce message ne s'affichera plus dans ce mode. Entité inconnue. What? C'est la première fois que ça m'arrive ça. What the fuck? C'est vraiment la première fois que ça m'arrive, c'est flippant. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur From the Fog, partie 4. Bon, il faut savoir que les gars, je me suis un peu plus aventuré dans les packs, on va dire, de mon monde. C'est-à-dire tous les modes et tout, j'ai un peu fait le tour en fait de mes modes. Et en fait, il se peut que si on s'aventure près des forêts, il se peut qu'on trouve des avant-postes. Des avant-postes de forêt, tout ça. Et je me suis dit que n'empêche, ça pourrait être quand même vachement mieux qu'une simple maison comme celle-ci, tu vois. Donc écoutez les gars, aujourd'hui j'ai deux buts. Me faire un maximum de bouffe. Essayer d'aller pour la première fois dans les cavernes. Mais aussi justement, si on a un peu le temps, à moins que non et on le fasse dans la deuxième partie, aller du coup trouver un avant-poste. Oh non, Godman. Pas déjà, s'il te plaît. Ça vient seulement de commencer. J'ai même pas commencé en vrai, même pas. On a rappelé qu'on avait fait ce petit chemin justement pour essayer d'échapper au Gottman le plus rapidement possible si lui nous attaque devant chez nous. Et en plus de ça, le Gottman en réalité s'échappe plutôt rapidement. Donc en réalité, ça peut être une très bonne chose, tu vois, de faire ça. C'est une très bonne chose qu'on ait fait ça. J'ai une pioche sûrement, merde, j'ai pas de pioche. Oh putain, Cartoon Cat. Bon, je vais y aller. On est pas des oulettes, nous. Enfin, peut-être un peu, mais bon, vas-y. Oh, bah tiens. Salut mec, ça va? Oh le bâtard, putain, il se déplace sur moi en plus maintenant. Ah, il m'empêche de courir, merde. Je vais aller explorer les environs. Genre plus là-bas, parce que c'est vraiment le seul endroit où on n'est pas allé pour le moment. Ici, là, c'est la forêt, donc il y a le village. Et en fait, ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. J'espère une forêt, tu sais. Une vraie forêt, tu sais, pas enneigée, tout ça. Oh putain, je crois qu'il y a un désert au final. Pourquoi? Parce que du coup, je sais qu'il y a des. Là. Peut-être que là, ici, là, dans un biome comme ça, il y a des chances qu'on trouve un avant-poste et ça, ce serait vraiment incroyable. Il y a vraiment un désert juste là, par contre. Hein. What the fuck? Slimy 2022-2023? Comment ça? Wesh. Il y a une tombe, les gars. Il y a une tombe. Je vais déterrer, je vous dis. Bon, bah, il y a un monsieur qui est mort, mais il est pas là. Le monsieur est mort mais n'existe pas, tu sais. Herobrine, qu'est-ce qu'il fout? Tu pars où comme ça? Non, venant d'Herobrine, c'est un piège. Mais regarde ça! Viens là! J'arrive, j'arrive. Il va dans l'eau ce con. Bon, bah il n'y a plus d'Herobrine. En vrai, je pense que la base, on pourrait la faire là. On pourrait la faire là plutôt, parce que tu vois, je trouve que c'est un meilleur spot. Regardez-le là-bas, là. Mais il nous attend. Herobrine veut nous montrer un truc hein, dans ses modes. Hein. Herobrine veut nous montrer un truc. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut, tout ça, c'est vraiment bizarre. Donc, ok, on va aller rapidement passer la nuit. Et ensuite, je vais enlever toute la maison. Je vais raser la maison, puis on va passer du coup. Et puis on va en refaire une tout simplement. Avec des remparts. Ouais, des vrais remparts. Avec des remparts justement tout autour de la maison. Ce serait vraiment vraiment stylé. Mais vraiment, si je veux faire ça, il faut vraiment un truc, mais genre énorme. Et c'est bien, je pense, la meilleure des choses à faire. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah moi, je dirais déjà, il faut qu'on aille chercher du bois. Ouais. Il faut qu'on aille chercher du bois. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de bouffe. Et ça pue un peu. Il faut se le dire. Ça pue un peu. Je vais aller récolter un maximum de bois, parce que vraiment, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. T'es où, Cartoon Cat? Je sais même pas s'il a spawn au final, hein, je crois pas. Sa grand-mère, il y a un truc qui a marché là. Attends, c'est ça qui a fait tomber toute la neige là? Non, c'est pas possible. Depuis que le Goatman là, dans la dernière vidéo, il m'avait attaqué comme ça là, par surprise, vraiment là, je peux plus là. Franchement, ça pue, il y a beaucoup trop de bruit du Goatman. Moi je dis va spawn. Le Goatman va spawn, les mecs. Il faut qu'on se fasse une armure. Le plus vite possible, il faut qu'on se fasse une armure. Pardon. Ok, non, il va spawn. Il va spawn, il va spawn. Ça se trouve même, il a déjà spawn, peut-être. Vu tous les bruits qu'il y a, il a forcément déjà spawn pour moi. Obligé. Bah alors, tu viens? C'est vraiment, vraiment étrange, mais écoutez, bah tant pis, hein.
Oh, let's go du charbon de bois, putain. Et on va pouvoir faire les premières torches, les gars. En vrai, c'est bizarre en vrai qu'il lui ait donné ce nom, le créateur, le mec à fait ce mod. Parce que Goatsman, ça veut dire homme chèvre. Je rentre dans la base. Parce que Goatman, ça veut dire chèvre, homme chèvre. Pourtant, on dirait plus un loup. Non, mais c'est vrai. N'empêche, eh, on en parle, il n'y a que lui, Herobrine et Cartoon 4 qui sont actifs. Alors j'ai mis plein de mobs. C'est une dinguerie. J'en ai mis vraiment beaucoup. Oh frère! Putain sa mère. Quel bâtard. Wesh. Quel bâtard ce Herobrine. Vos gueules les mouettes, putain. Mais wesh, mais get ça, il se téléporte. Tu sais, il veut que je le suive, mais il se téléporte, Herobrine. Il est con quoi. Ah non, mais sérieusement, il n'y a que du poulet ici. Hein. Y'a que des poules, y a pas de vaches ou de moutons ou autre. Y'a que des poules. Wesh, c'est quoi ça? Gravedigger. Oh, y'a un truc en dessous. Oh oui, y'a un truc en dessous. Merde. Ah, c'était ça la tombe. Ah, ah bah oui, c'était ça, c'était ça. Je confirme. Oh, c'est un bâtiment piégé, il faut faire gaffe ça. Par contre, il peut y avoir de très bons trucs. Si je ne dis pas de bêtises, il peut y avoir de l'or et tout. Hein. J'ai eu la chance en vrai qu'il spawn comme ça. Oh, je peux le récolter ou pas? Non, j'ai trop le seum. C'est des ouf ou quoi? Faites pas peur comme ça. Sa grand-mère, putain, faut pas faire peur comme ça. Putain, la vache, c'est des malades ou quoi? Je récupère quand même aussi un petit peu de poisson parce que moi sinon... Sinon j'ai littéralement pas de bouffe. Coucou les vaches. Ah putain c'est pas vrai. Merde j'avais oublié. Oh wow, wow, elle va vite, elle va vite hein. Ah fait chier, il y en a une qui a spawn ici. Va falloir vraiment attendre qu'elle despawn hein, du coup. Fait chier. Wesh. Il y a un papillon, d'accord. Ah, elle est redevenue normale. Mais si je m'approche trop, elle va redevenir, tu sais, avec les yeux blancs, là, comme Herobrine. Donc on va faire gaffe quand même, hein. Je m'aventure un petit peu, je vais essayer de monter à l'arbre. Hop, let's go. Ah, mais je vais pas pouvoir. Ah, merde. Ouais, j'ai un arbre un peu chelou là-bas. C'est bizarre, je vois... Y'a rien. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout, c'est vraiment dommage. Attendez, je vais voir. Est-ce que par hasard... Oh non, 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 je descends pas. Depuis quand y'a des singes? What the fuck, c'est... Oh merde. Oh putain non les connards. Oh non. En plus, oh putain. Oh non. Faut vite que je retourne à la base. Il fait nuit déjà. Déjà. Waouh, ça bug beaucoup hein. Ça lagouille, ça freeze. Oh putain. Oh la vache. C'est le cas de le dire. T'arrives. Oh vite, faut que je retourne à la base. Oh putain non, pas lui. Oh non. Vite, faut que je retourne très vite à la base. Oh non. Ça commence déjà, tu sais. Oh, je mets le squelette et c'est déjà... Oh putain. Imagine, je rentre dans la muse. Oh. D'accord. C'est un taré, lui. Non, lui, il me fait bader de fou, lui. Hein.
Regardez-le. Oh putain. Lui là, vraiment, lui là, il me fait bader de fou. Hein. Lui, il me fait vraiment peur, lui. Hein. Vraiment, vraiment. Ah, j'attendais, il vient de respawn là. Ah, bizarre. Voilà, voilà. Allez, on y va, je vais essayer de faire justement un avant-poste, tu vois. C'est genre une tour. Une tour, je sais pas si vous avez déjà joué à First of Atom, ou en tout cas que vous connaissez First of Atom. Mais voilà, une tour comme celle-ci, quoi. Un avant-poste. Exactement, un avant-poste. Oula, y'a plus de son. Oh, j'ai encore la vache. Waouh, ouais, c'est trop. C'est soit tu viens, soit tu viens pas. Hein. Non, c'est trop, elle flotte là depuis tout à l'heure, mais. D'accord. Ouh, j'aime pas ce bruit. Putain, il est là. Je me casse de là. Je me casse, il est là. Il y a un Goatman vraiment pas loin. Ouah, frère, c'est un ouf lui. Non, non, le Goatman il est là. Il est là, il est là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Wesh, c'est Robin, wesh. Eh, ça y était pas ça avant là, ce truc là. Y'a quoi là-dedans? Wouah, putain, c'est pas vrai, saloperie. Oh non, y'a Herobrine dedans. Ah non, même pas. Wesh. D'accord. Chou. Sa grand-mère, mais ça ouf. Oh non. Mais. What the fuck? Il m'a fait atterrir où là? C'était bien un coup d'Herobrine. Oh, je dois être à l'autre bout de la map, c'est pas possible. Bon bah là déjà à la maison, vous pouvez dire adieu les mecs. Hein. Oh putain merde! Putain, c'est pas vrai, elle fait chier. Oh putain, elle fait mal de fou. C'est quoi cette vache de fou là? Oh non, c'est pas vrai. Elle va vite en plus. Oh la connasse, elle va vite. Mais vas-y, non mais sérieux, y a des putains de monstres et moi je me fais chasser par quoi? Et une vache? Non mais c'est trop. Oh putain, sa grand-mère, elle va vraiment vite. Eh, le golem, tu peux t'en occuper? Il s'en bat les couilles. Bon, je range mon stuff vite fait quand même. Bon, bah je crois que c'est bon. Par contre, moi j'ai juré, je vais vous prendre tout votre foie. J'en ai rien à foutre. En vrai, c'est pas grave si on a spawn à l'autre bout de la map. Parce que ça va nous permettre de justement améliorer justement l'exploration. Et donc, en plus de ça, on a trouvé un nouveau village. On a trouvé une plus grosse. Putain, wesh, le chat il va vite. Une plus grosse forêt. Beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. Le must du must, ce serait d'aller dans les grottes. Regardez-le ce con. Mais. Il s'est bloqué. Les gars. Ah, oh putain, il a des spawns avant même que je le voie. Putain. Il a vraiment un comportement chelou, Herobrine. Hein. Je vous le dis. Hein. Je pense que justement dans cette saison, on va plus enquêter sur le problème d'Herobrine, tu vois. On va plus enquêter sur lui que sur n'importe quel autre mob. Je pense. Wesh. C'est quoi qui a causé tout ça là? Oh, du foin. Putain, le village, il continue dans la grotte. En vrai, c'est une bonne nouvelle. Oh, putain, non. Je vais surtout pas le tuer, parce que franchement, il peut m'être utile, tu sais, pour me protéger. Tout simplement. Désolé, j'ai du mal. Aujourd'hui. Ah, putain, il y a Cartoon Cat. Je sais ce qu'on va faire. Parce qu'il va pas se barrer si je le regarde pas. Il partira pas, hein. Non, 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 il partira pas, lui, là. Oh, putain! Il n'y a plus qu'à espérer qu'il monte pas. Wow! Thank you.
Oh putain! Putain! Bah écoutez, merde, putain, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire moi du coup. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que bah on a perdu. Oh, en fait, en soi, on a tout perdu en vrai. En réalité, c'est bien beau parce que du coup, on va pouvoir plus explorer, mais en vrai, on a tout perdu. Putain, c'est pas vrai cette saloperie! Oh non, c'est trop. Non, ces cochons-là, c'est trop, j'ai juré, c'est trop. Moi, je pense que vraiment, à la base, on va la faire dans la forêt. Ouais, vraiment, à la base, je pense qu'on va la faire dans la forêt. Et tu sais, on va faire vraiment un avant-poste, tu vois. Ou alors, vraiment. Non, vous savez quoi? Moi, je crois plutôt je vais justement en chercher un avant-poste. Je vais chercher un avant-poste parce que ça va être vraiment, vraiment très galère d'en créer un, justement. Oh putain, il a cramé la maison, ce bâtard. C'est une dinguerie. Oh non, la vache, là, c'est trop. Oh putain, elle me suit. Oh putain, non, c'est les cochons! Vas-y, barre-toi, il referme. Putain, c'est un ouf, lui. Eh, je vais m'enterrer sous terre, je vous le dis, hein. J'ai plus de torches et tout. Bon, j'ai du bois, je pourrais me faire du charbon de bois. Non, là, c'est chaud, là, par contre. Franchement, ça va être très, 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 très tendu pour ce début de vidéo, là. On entend des monstres de partout, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est ça qui est flippant. Oh, non. Ah, je peux toujours pas, hein. Je peux toujours pas. Il y a toujours l'autre bâtard, là, au-dessus, là, qui m'attend. Oh, c'est une dinguerie. Hop là, 10 de ça, là. 10 de pain. Plus 18, plus 21. Mon niveau bouffe, on est largement plus que bon. Putain, mais il y a des loups, c'est une dinguerie. Putain, mais il peut mut. Ah putain, mais ça peut m'être utile comme coffre. C'est incroyable, je vais le garder ça. Le cercueil, je vais le garder. Et hop, ça me fait cuire mes steaks en attendant. On l'entend marcher au-dessus de moi. Non, c'est trop risqué. Il est juste au-dessus de moi, tu sais. Non, là, c'est trop risqué. Oh! C'est un ouf, lui, putain! C'est un ouf, Herobrine, vraiment. Putain, il spawn juste derrière moi, comme ça. Wesh. Ah, merde, c'est là. C'est la maison, c'est encore. Oh, putain, c'est un ouf! Waouh! Oh, qu'est-ce que tu fous, là? T'es un ouf, toi! Non, c'est une dinguerie. Oh, putain! Vous entendez deux au-dessus? Des bruits de pas comme ça? Ça peut être que le Cartoon Dog, je pense. Cartoon Dog. Cartoon Dog. Pour moi, c'est forcément lui. Il est horrible, lui. Faudra vraiment que je fasse des vidéos creepypasta là, sur lui, là. Vraiment, ce serait une dinguerie. Ah, putain. Redonne-moi ça, toi, va. C'est à moi, je te rappelle. Bah, ouais. Non, non, non. On n'y touche pas. C'est horrible, les mecs. C'est horrible. Je sais pas c'est quoi ce boucan qu'il y a là derrière. Enfin, en haut. Mais franchement, vaut mieux pas le savoir. Franchement, je préfère ne pas le savoir, hein, vraiment. Quoi? C'est ta faute si on est enfermé ici, hein? Bah ouais. Merde. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est quoi ce bruit? Après, faut pas oublier qu'il y a des gros zombies et tout qui sont que j'ai ajouté. Attendez, ça c'est pas un zombie ça. Ta gueule! C'est terrifiant. C'est vraiment, vraiment terrifiant. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être, tous ces bruits-là.